Vous allez bien? Moi ça va, je suis avec mes deux guys préférés. On part à Lille, on va à la gare. Je vais le faire chier aujourd'hui, je vais le faire chier, je vais me le faire. T'inquiète. C'est bon, t'as reconnu ou pas? Pour pérer, parce que jusqu'à il y a deux minutes, Sean me dit, je sais pas où on est. Sam, il va me donner 20 gemmes. Tu reconnais les pigeons? Oui. Donc là, on part à Lille, on va passer la journée. Il y en a qui viennent dire bonjour. Et puis, on va prendre le train. J'ai garé ma voiture un peu plus bas parce qu'il n'y a pas de train en partance pour Longo. Wow. Si, il aurait fallu qu'on trouve une correspondance avec Paris, qu'on prenne le train. Et puis que... Donc j'ai laissé ma voiture dans une des petites rues derrière. Et puis, comme ça, ce soir, on descend du train, on récupère la voiture et on rentre. J'espère que vous allez bien, vous allez nous accompagner toute la journée. Moi, je connais déjà l'endroit. Fondamentalement, on va faire la même chose. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé à Lille, les mecs? 2 ans. Oh, plus que ça. 3 ans. 3-4 ans. Hein. Parce que quand je vois les photos. Avant le confinement. Parce que quand je vois les photos, t'étais quand même petit. Hein. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai compris, je suis grandi. Qu'est-ce qu'elle est moche cette gare, putain. Moi quand je l'ai connue, ça ressemblait pas du tout à ça. Ouais, il y a de la bouffe donc ça me gêne. C'est ça. Moi quand je l'ai connu, tout ça en fait c'était grand ouvert, c'était le parking, tu te garais sur... C'était transparent. Ouais, il n'y avait rien au-dessus, tu te garais là, c'était un grand parking, ils faisaient des animations, puis c'est devenu nain moche. Et puis il n'y avait pas tous ces magasins autour, tu vois, c'était vraiment la petite gare de campagne, enfin campagne, pas de campagne. C'est des petits bars. Mais là, ouais, mais c'est super mal fréquenté, là, juste à côté, il y a le grand centre commercial... Amiens 2, ça s'appelle. Et moi, quand j'étais jeune, il y avait plein de trucs dedans. C'est là où j'ai fait mes premiers piercings. C'est là où j'ai fait mon piercing au nombril. Là, ça n'existe plus. Maintenant, il n'y a plus rien dedans, à part Supermarché Match, là, que tu vois derrière. Et puis, c'est super mal fréquenté. La gare, le soir, tu peux pas venir ici. Hein. Bon, écoute, on se retrouve en train. C'est cool, ça nous fait du bien, de sortir. Hein. Tranquille. Chaîne mission baggy, pantalon. Oh, monsieur, madame. Pantalon, tu veux, c'est ça? On est parti sur un pantalon. Qu'est-ce que tu voulais d'autre? Siam, il voulait un sweat. Bah, garde, Siam. Ah non, c'est des vestes. Mais gars, t'as les sweats à. Regarde, t'as les sweats à capuche à 12 balles. Non, peut-être une petite veste noire aussi. Donc, tu veux, elles sont à 12 balles. Ouais, je pense. Ou bleu marine, ou la grise, ou la blanche. Non, je pense qu'on est... Bah, prends, vas-y, essaye. Tu me dis ce qui te va. Du S, sauf si tu veux porter large. Ah, la méga pièce en chocolat au Starbucks à 1€. Il y a le magasin Lego, tu veux y aller là ou... J'ai pensé à toi la fois quand je suis passé là. Après, je me suis dit, j'allais te prendre un truc, mais je vais lui prendre quoi? Faire un tour chez Lego. Donc. Pardon. Regarde, c'est bon. Ah, t'as la borne carrément Pac-Man en Lego. Tu peux y jouer en plus. Alors, ils ont leur faire rien, mais. Non, mais si, ils ont ça sorti. Ah, les fleurs. Ouais. J'ai vu la dernière fois le petit bouquet de fleurs, franchement, il est sympa. C'est... Pas le rouge, mais là, t'es à côté. J'ai envie de jouer à Lego là. Regarde. Je donne ma paix. Regarde, ils sont à 15 balles chaque petite branche de Lego. Quoi ça, The Frame Cabin? Ah mais... C'est du 6 ans et plus, ils ont sorti la collection Animal Crossing, que j'aime. Oh, Minecraft Rose! La maison Axo, je sais pas quoi. Ce pistolet, tu vois, il y avait pas comme ça, il y avait pas les gros trucs comme ça. 54 balles quand même, hein. Regarde, non, c'est un truc comme ça que j'ai pris en Angleterre. Mon perso. Ok, d'accord. Il y a les 3 pour 1000 balles. Il filme la télé, ça. Bon, on est passé chez Lego, ils ont acheté des petits porte-clés. Là, on cherche Primark, je sais plus où c'est. On va trouver. Ouais, je sais. Mais c'est pas par là, ça doit être par là. Snipes, oui, bah si, il y en a un à Amiens qui a ouvert. Snipes, il y en a un mien qui a ouvert. Ah bah voilà, il est là. Bah regarde, on voit le. Bah lui, il a repéré le Micromania. Il y a le Columbus et il y a le Grand Normal. Mais ça, c'est les deux. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a deux. Il y en a deux.
D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a découvert que Micromania était devenu Zing. Zing. T'es au courant que s'il y a des Gundam à Dieu? Non, non, il y a le magasin Gundam en ville, je vais te montrer. Non, mais pas dans le pas. On y va en premier. Non, Momenti est normal. On va rentrer après Marc avant. On est en admiration devant. Là, regarde, viens voir les Dragon Ball Super. Regarde, le tien que j'ai pris, il est là. Et Dragon Ball Super à côté, il n'y était pas. Spider-Man, il y a le Optimus. Il n'y était pas non plus. Optimus. Oh merde. Il n'y était pas non plus, South Park. Ah, Hot Wheels en bas. Mais Simpson, bah, le Simpson, je voulais lui prendre la dernière fois et je me suis dit, jamais il va le mettre. Le Simpson. Tu l'aurais aimé? Ah. Snoop Dogg, Dogfather. Je sais pas, c'est toi qui vois. On va en centre-ville, de toute façon, une fois qu'on aura fait Micromania. Là, on cherche des chiottes. Les chiottes, elles sont pas encore ouvertes. Enfin, bah, une fois qu'on aura fait Micromania. Après, après, tu vois, je voulais qu'on mange un... Ouais. Je voulais qu'on mange un petit gâteau, tout ça. Mais ça, à la limite, on peut le faire cet après-midi en revenant. Et puis là, on va manger. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'as filmé la fleur géante? Sean, il a filmé la fleur... La fleur qui est là derrière. Donc là, j'ai dit, là, il y a l'île Europe juste en face, il y a l'autre gare. On va y aller pour faire pipi, il va y avoir des toilettes. On a claqué un bras. J'étais combien? J'étais à 300 ce matin encore. Maman, ne regarde c'est pas, bon ne là-bas. Regarde pas. C'est bon là-bas. Alors, Sean a été traumatisé. La dernière fois qu'on est venu ici, on a mangé dehors et il s'est fait attaquer par une nuée de pigeons. Tellement vrai. Sean, non, bah, ça va, t'as été réseau. Entre New Yorker et puis machin, t'as claqué combien? Ça va, j'ai mis pas 100 balles. Moi là j'ai claqué 65 je crois. Ouais, je suis pareil, on a 100 euros, voilà, on se fait un petit plaisir. On a fait quasiment jamais. Là moi franchement j'ai plus rien à acheter à part manger. J'ai encore plein de trucs à acheter, si tu vois ce que je veux dire. Non mais tu vas te calmer. Non, calme-toi. Il s'est fait plaisir. Pour une fois, il a pris des vêtements. C'est un enfant qui s'achète. C'est un enfant. C'est un jeune adulte qui ne s'achète jamais de vêtements. Sa seule passion dans la vie, c'est les Gundam. Et acheter des trucs pour son frère, voilà. Et il a fait un truc très sympa la dernière fois, Sean, il avait rendez-vous avec sa petite copine, il avait pas de sous. Si j'en avais, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et Siam, il lui a dit, tiens, c'est pour toi et ta copine, et tu sais, vous ne devinerez jamais ce qu'il a fait, Sean, avec l'argent. Il a acheté un petit bouquet de fleurs à sa copine. Trop charmant, mon fils. Il fait ce que son père n'a jamais fait avec moi. Tout simplement. On va pas tomber. Donc allez, là on va... chercher pipi et puis après on passe à Micromania. Yes. Et puis après bon, on va se trouver un petit endroit pour ben, en fait tu vois le jardin, quand j'ai loué ma chambre, le jardin c'est celui-là, c'est à dire que ma chambre elle donnait sur ce truc là et puis après on va se trouver un petit endroit pour manger en centre-ville. Ouais, on va repartir tranquillement. Ils sont en bande, maman, ils sont là-bas, ils sont en bande. Ils attendent Chêne. Chêne adore les pigeons. C'est bon, sinon ouais. Il y avait encore des places par ici, hein. Non, il n'y a pas de place. On est au Quick. Franchement, ça fait combien d'années qu'il a fermé le Quick à Amiens? Une dizaine d'années, je pense. Ça fait une dizaine d'années qu'il a fermé. KFC, il est là depuis. Ah, quoique, dans KFC, ça a importé bien après. Ouais. KFC, ouais, c'est venu après. Hein. Burger, après. King, Burger King, je crois que KFC, il est venu avant Burger King. Le dernier entrant, c'est Burger King. Donc, on a réussi à laisser nos affaires dans une. Ils font des consignes. J'ai payé 10 balles, mais bon, tant pis. On ne se voyait pas se promener avec les sacs. Là, on va manger. Au début, on avait parlé de manger en centre-ville, et puis finalement, on a vu le Quick, c'est à côté. On a encore 2-3 boutiques à faire. J'ai peur. De quoi? Ouais, tu sais, les frites spicy cheddar, mais j'ai pris. T'as pris? Ouais, c'est ça, c'est frites, et puis tu mets. Moi, ouais. J'ai pris des frites, monsieur. Et moi, c'est. Ah bon? Je sais plus. T'as pris de salade? Ah, mais salade, il faut pas de frites aussi. Et du coup, on a encore 2-3 magasins à faire là dans le Rhône. Et puis après, on ira prendre café et dessert en centre-ville. J'aimerais bien leur montrer la grande place. À part Micromania aussi. Ouais, juste Micromania. Et puis après, il y a en centre-ville le magasin avec les Gundam là. Bon, c'est... Voilà. Ceux-là, Micromania, ils font des Gundam. Bah là, vu que c'est un zig détaché, on sait pas. Ils font des figurines. Donc on va manger tranquille. Et puis après, on va faire notre petit temps. La chance, il fait super beau. C'est ça qui fait comparer, c'est la veille. Il passer. Par contre, il y a un mot. Ah, Chêne, il est parti s'asseoir pour nous garder une place. J'ai laissé les gosses aller. Ils sont chez Micromania en face. Donc, du coup, j'ai fait un tour chez Normal, dans un magasin. Gros wax. Moi et mon obsession pour les produits pour les sourcils. Alors, là, je suis venu acheter du shampoing. Parce que j'ai fini beaucoup de shampoing ces derniers temps. Et j'ai beaucoup d'après-shampoing, mais pas de shampoing. 3,90, mais c'est des gros contenants. Enfin, les derniers.
Je vais voir un petit peu ce qu'il y a. T'as les fameux shampoings Monday, mais ils sont pas donnés quoi. Il y a les aussi. Le Voluderme. Légèrement à droite sur place du Général de Gaulle, Grand Place. C'est à côté. L'église que j'ai été voir, c'est. L'église que j'ai été voir, c'est celle-là là-bas. Bon, là, vous faites gaffe hein, parce qu'il y a pas mal de pickpockets ici. Hein ? Il y a pas mal de pickpockets ici. Est-ce que j'ai quelque chose dans la poche ? Est-ce que un paquet de mouchoirs et un déo va les intéresser? Bon, ça, le Sephora, j'y suis rentré. Regarde, tu vois le magasin Furet du Nord? Ouais. C'est celui-là. Et ça, c'est la grande place. Regarde la grande place, je... franchement. Là, la voie du Nord. Donc là, il y a le grand journal historique. Il y a Furet du Nord, c'est là où on va. Et là, c'est la grande place. Mais moi, je trouve que l'architecture. Trouves pas, Chad? C'est classe et vivant. T'as des trucs de mondial, lui. Mais oui. Regarde. Cette rue de la cuir. On est au Furet du Nord, on est dans l'univers de mon fils. Avec les Gundam et tout ça. C'est fabuleux. Je vais me mettre comme ça, peut-être qu'il les verra pas. Peut-être qu'il va passer devant et puis qu'il les verra pas. Ah. Et t'as vu les méga pop Dragon Ball? Regarde. Okay. La métal, voilà. Grosse comme ça. J'aime bien l'idée. Bon, après, moi, rien de même, il est un peu haché. Oh bah, il y a Gandizer. Celui-là, Joe. Ah bon? Ouais. Il y a Nightingale, ça, il l'a pas, je sais. Ah bon, cool. Bon, après, je vous ai dit. Je vous commande. Il y a Mazing Kaiser. Non, mais Kaiser, je Great Mazinger. Il c'est, a déjà... c'est lequel que toi? Il a juste Grandizer. En fait, j'avais aucun génie. Bah, il m'a dit que t'avais Grandizer. Ouais, j'ai le drac. Ça dit Great Mazinger ou La Grandizer, Great Mazinger, Mazing Kaiser. Et c'est quoi le drac là-bas, tu sais? Tu me fatigues. Non. On est dans une librairie manga. Avec mon numéro 3. Non, numéro 2. Non, numéro 3, il est pas là. Et en fait, il y a plein de Gundam. On m'a déjà dit c'est quoi les Gundam, c'est des espèces de robots un peu chinois, un peu. C'est quoi le film qui était sorti là? C'est quoi le film qui était sorti avec des robots qui combattaient là? Pacific Rim. Regarde le film Pacific Rim si tu sais pas ce que c'est le même genre. Bah, c'est des robots. Bah oui, mais moi mes abonnés, j'en fatalement mon âge, je sais pas ce que c'est. Alors regarde Gundam aussi, prendre un abonnement comme Chirol, c'est 15 balles par mois. Et... Donc Sam il nous a dit, il nous a demandé, on est sorti de Furet du Nord, il me dit ouais il y a une boutique manga, et il a screené sur le traceur GPS là, il me dit on peut y aller, je dis ouais ça va 5 minutes, puis il est partout. Il est partout. Je sais pas. Il est parti, je sais pas. Bon, il doit être au fond du magasin. On a fait une petite pause café. Sam a pris un petit. Chocolat viennois qui a l'air sympa. J'ai pris un petit décor tranquille, de faire pipi. Il a bien marché. La chaîne, il a dans sa crêpe au chocolat. Merci. Derrière. Et puis, on a encore un magasin à voir, c'est mieux voir un magasin de manga encore. On a été effaré par la taille de la fenêtre. Et voilà. Merci. $5 pour ça. Oui. Alors, combien on avait payé la gaufre? On avait payé 37 balles pour deux boissons et deux gaufres. 36. Ah, Bruxelles, 36. 5 balles. Donc, c'est comme ça, c'est une sortie qu'on fait. Donc il nous reste un magasin de manga à voir. Et puis en soi, après, on a le train à 6h moins quart. Du matin? Bah, techniquement, oui, parce que votre père il vous attend dans 3 jours.
C'est mon ex qui leur demande ce matin, vous revenez dans combien de temps? Dans 3 jours. C'est juste une sortie d'une journée. Et puis, ouais, c'est chaud. Bah oui, c'est chaud. Et ben, en fait, j'ai deux crêpes. Ouais, deux petites, ouais. Deux petites, ça fait l'équivalent. Hein. Moi, je m'en dis. Et puis voilà, ce sera bien promené. J'ai rien d'autre à voir. On va flâner tranquille, quoi. On flâne dans le coin. Puis après, il faut qu'on aille récupérer. Putain, on va en charger. Truc de ouf. Que ça fait une fausse par an, c'est une un peu chargé. Mais bon. De toute façon, quand j'étais venu la dernière fois, il n'y avait pas de passe dans ma valise pour que je puisse prendre des trucs. Là, je pense que je te ferai un vlog en deux parties quand même, parce que j'ai déjà beaucoup filmé. Ce sera beaucoup plus simple. Piscine. Ah, je devais aller à la piscine avec le bus. Il y a les pompiers là-bas, il y en a. Apparemment, il y a quelqu'un qui a fait un malaise. Juste là-bas. C'est bon, mon petit cul ? Tiens, il était content dans le magasin Haribo. Du coup, on a pris, c'était 5 paquets, 10 euros. Et moi, j'ai pris une bougie Haribo. De base, j'étais partie sur la fraise Tagada, puis je me suis retrouvée avec la bougie. Chamalou. Ça, tu verras aussi. Non, mais ouais. Ils font des petits, j'adore. Il y a sauce thyme green. Il y en a plus de chez moi. Et j'aime. Ils font des petites parts comme ça. Franchement, c'est sympa. Je me demande si je vais. Ah, c'est un combien hein. Si j'en ai besoin de ça. 2,66€. Mes fraises me sperlent le lettre. Il y en a plein de sortes différentes. À deux balles, elles sont pas chères. Je vais en prendre deux. Toi, t'auras pas eu le magasin de prendre ça pas bien. 16h40, on a une heure pour retourner sur Euralille, récupérer nos affaires, passer faire un pipi. Je vais me reprendre peut-être un petit café ou une boisson fraîche, je vais voir. Une boisson fraîche, parfait. Hein ? Boisson fraîche, ouais, boisson fraîche, hein. Et puis après, bah, on reprend. C'est quoi ce magasin-là ? Le problème, c'est qu'à chaque fois, on tombe sur plein de magasins. Entre du cinébrerie. Ah, tu sais, c'est un peu. Chaîne, j'ai donné. Tu sais, c'est un peu la librairie sur laquelle on était posé à Bruxelles. Tu sais, avec les magasins. Il y en avait une sur Amiens avant. C'est une petite librairie qui bradait plein de livres, tout ça. Tu veux. Non, on y va pas. C'est vrai. Ouais, on dirait tiens, un truc culture multilingue. Oui, voilà. Et donc, bah voilà, on a bien promené. Sam, il a trouvé tout ce qu'il voulait. Ah, bah, elle est là. La gare Euralille. En fait, on est beaucoup plus près que ce que je croyais de la gare, en fait. Vous voyez ça plus loin, quand même. Hein ? Vous voyez ça plus loin ? Ouais, bah ouais, moi aussi. Là, il y a Starbucks, du LOSC. Bagelstein, on a un peu fermé. Mais je crois que tous les Bagelstein ont fermé. Il est encore ouvert ? De temps en temps, mais oui. Regarde, ici, aussi, ça m'a pas. Je pense que c'était les Chicago, mais là, c'est les Chicago. Les Chicago à Lille, franchement, ça m'a pas. Bon, pourquoi pas, ils ont une grande. Ils ont le zénith de Lille, hein. C'est plus grand qu'un bien. Hein. Donc voilà, on va se rentrer tranquille et puis après, je suis explosée, j'ai mal aux pieds. Mal. Bon, ça vous a plu la petite journée là ? Alors celui-là, je t'explique. Il est en t-shirt parce qu'on était au café. Il s'est renversé son chocolat chaud partout sur lui. Je sais pas c'est comment il a fait son. C'est la tasse. Carré. En fait, la tasse était carrée, elle avait un problème. Petit carré. Elle était carrée, mais petit carré, du coup, elle a jamais réussi à le reposer sur ça. Ah bah, regarde, il y a encore un autre cache. Cache web. Bon, bah, allez. Mais celui où on a été tout à l'heure, enfin, pas terrible quoi. Je trouve que c'est super cher et tout. Je vous attends là, les mecs. Donc voilà. Petite journée bien sympathique. J'ai tourné plein de trucs pour faire du contenu. Chen me demande pourquoi il y a du chauffage froid qui sort des ventilations. Aucune idée. Putain, j'ai une tête fatiguée. Bon, on est dans le bon train. Là, quand je te filme, il est 17h36. Le train part à 53. Donc, on est tout bon. On a eu une place ensemble. En plus, on a une grosse place. C'est plutôt cool. On a passé une chouette journée. Je suis sur les genoux. J'ai plein de halls à vous tourner. Là, je vais me poser. Je pense que je vais roupiller une petite heure. Là, le train est censé arriver à 19h10. Donc, on a une petite heure pour décompresser un petit peu. Et puis voilà, on s'est bien amusé. J'espère que tu as bien aimé ce vlog avec nous. Prochaine étape, c'est Paris. Je ne sais pas quand. Mais avant les JO, ça c'est obligé. Faire un petit tour à Paris. Parce que ça fait longtemps qu'on n'y a pas été.
Moi j'aime bien sortir comme ça avec les gars. Voilà, on passe du temps ensemble, on se fait plaisir. Voilà. Je te fais des bisous, si t'es pas abonné, abonne-toi. Puis on se retrouve très bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye. Au revoir Sian. Au revoir. Au revoir Sian.